Dans le sud, à côté de Malaga, en Espagne, on va à Torrox, on a vu une putain de villa qui est un peu genre perdue dans les terres. Donc on va se passer une petite semaine là-bas, ça va être genre ultra sympa. Et du coup, je suis partie avec 5 autres potes. Ça va être. Ah putain, les moines Shaolin! Du coup, je vais vous filmer un petit vlog pendant tout le temps où on va être là-bas. Je pense que ça va être toujours sympa. J'avais pensé jusqu'au bout. On n'est pas au terminal. J'ai pris un petit Starbucks avant d'aller déposer nos bagages en soute. Après, on va passer la douane. Et après, petit vol, et on arrive à Malaga. Et la suite sera tout de suite après mon magnifique générique qui est. C'est à 5 minutes après. Salut, salut, c'est Baptiste, bienvenue dans ce nouveau vlog. 18 kilos, mais je pensais que ça faisait beaucoup plus. Putain, je pèse si peu lourd que ça, 18,2. Bon, on vient de passer la douane, et là on voit strictement rien de ma face, mais c'est pas grave. Bon, on vient de passer la douane là, sauf qu'en fait, on embarque dans 10 minutes. Donc on est un petit peu short et je suis super blanche, mais c'est pas grave. Donc du coup on va arriver pile poil. Mais pas de grand chose hein. Pour l'embarquement. Yo, ah, j'ai gavé chaud. Moi aussi. Et on est pas encore parti. Manifest under your seat. Beaucoup trop concentré, c'est vrai. You can flotation devices. Yeah. Ah, je suis moche. Bonsoir. J'ai l'homme d'affaires qui va s'en bat les couilles. Je me préfère vraiment avec la barbe. Dehors.
je filme avec mon téléphone, donc qualité risque d'être un peu plus merdique. Et du coup, en fait, on est à Malaga. Donc pour le sondage du Bali ou Espagne, c'est l'Espagne, hein, parce que faut pas déconner, on est pauvre. Alors du coup, bon, on va en Espagne. Putain, il fait une de ces chaleurs, mais en fait, je crois que je suis jamais allée en Andalousie. Du coup, c'est la première fois qu'on y va. On est en plein mois d'août, enfin début mois d'août. Et il fait une chaleur, mais c'est horrible. C'est vraiment du vent chaud, mais un truc de ouf, quoi. Je crois que, enfin, je me souviens pas si aux États-Unis on avait eu du vent aussi chaud que ça, quoi. Le problème, c'est que je suis en jean, je me suis mis tout en noir parce que dans l'avion il fait ultra froid à chaque fois, et là il a fait genre méga froid. Mais là, dès qu'on va rentrer, je vais me changer tout de suite, on va se foutre dans la piscine, ça va être nickel. Du coup, on a récupéré une voiture, du coup pour faire la route sur toute la semaine. On a deux voitures, en fait on est, du coup on est 6, on a deux voitures, c'est plus pratique. Il y en a qui veulent bouger à droite ou à gauche, qu'on soit pas bloqué en nez parce qu'il y en a qui veulent pas aller à un endroit ou quoi que ce soit. Du coup, on a pris deux voitures. On va faire la route jusqu'à Torrox, on a à peu près pour 3 quarts d'heure, je crois, 3 quarts d'heure, 1 heure. Après, il faut qu'on voit le gars pour la villa, qu'on aille acheter à manger pour ce soir et demain, pour au moins juste pour manger. Après, on fera des grosses courses et barbecue, piscine. Je pense que ce soir, on va juste se poser à la villa tranquillement. On fait une petite route et on se retrouve à l'heure de l'apéro. Je vais faire un petit room tour pour vous montrer la maison. Là, on a une vue sur toute la plaine. C'est juste magnifique. Là-bas, on a la mer. Et tout ça, du coup, c'est la maison. C'est vraiment genre ultra grand. Donc là, il y a l'entrée. Là, il y a monter avec des marches. Et là-bas, il y a un autre truc sans marche. Du coup, la petite piscine. Ils ont même des transats, c'est un million de transats avec des sarites et tout, c'est grave ouf. Là, il y a une petite table à manger, salle de bain, extérieur, douche extérieur. Et là, on descend et là, il y a un petit coin, genre archi calé, qui est grave mignon. Du coup, là, c'est comme ça, c'est juste grave, grave joli. Jour 2. Bonne journée. Oh putain. Yo. On se retrouve, on est le lendemain. Aujourd'hui, là je vlog un peu tard parce que il fallait qu'on se réveille un petit coup. Parce que bon, la soirée a plutôt terminé tard. Disons que nous avons profité de notre première soirée. Je sais pas à laquelle il a parlé. Ah voilà, elles sont bonnes les chipsos. Ouais. Tu as pas le goût que j'en avais quand.
Comment je fais pour manger ça? Il y a un petit moins de ça, regarde. Hola. Hola. Après, gros, il y a la musique qui va se mettre au milieu là. Ça, c'est Bodyguard là. Hola. Je dirais Tony. Tony? Ou tu l'appelles Tony, merde. Tony, mais ça, c'est les couilles. Tony. Ah, je vois rien du tout là. Yes, the life. Oh. Un jour, on ira au marché. Après, elle a jamais les idées avant. Je te jure. Bah là, c'est ça, elle sera pour la prochaine fois. Ouais, on va oublier d'ici là. Et puis quand on aura fait faire les courses, on va faire la valise. Putain, les gars, le melon. Et le cuistot. Le voici. Carla, est-ce que t'es prête pour l'emboîte? Normalement, oui. Après, moi, tout à l'heure, ça m'arrangerait si on va plutôt dans un bar dansant que dans une boîte. Pas trop que la bande-dance. Bon, ben, à ça. Bon, c'est un peu le bordel, donc on va faire genre. Hop là. On s'est préparé pour aller en boîte. Petit donut. Et des baskets. Parce qu'il faut toujours des baskets. Regardez comment il est beau. Je vais prendre ça aussi comme chaussure. Là. Mais je les mettrai qu'au dernier moment parce que flemme. Et j'ai encore mal à ma cheville. Faudrait mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Bon, là on est dans la voiture là. On est à Nera, on va sort manger des tapas et je pense qu'on va être dans un petit bar dansant, on va venir voir. Voilà, pour un peu sortir et voir du monde. Il y a du monde espagnol. Petite sortie de ce soir. Et j'ai prêté ma super bonne robe à Cara. Ça lui fait un de ses corps magnifiques.
parkage. Le parking est là. Et le soleil mal. Bat. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Ma reine. Oh là là. Il est sur les 5 buts. Il est sur du front, il est pas là. On peut. Tiens, Anton. Tiens, Anton. Nous on est bien Tintin. Il s'améliore vite alors là. On s'accroche toucher les gens. Vas-y. Bonsoir. Qui paye le son appel? Vacances chez l'habitant. On s'invite chez vous.